Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient l'abîme. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le deuxième jour, Dieu sépara les eaux pour former les mers et le ciel. Le troisième jour, Dieu créa la terre, les arbres, les plantes et les fruits. Est-ce que nous reverrons nos terres ? Bien sûr, nous les reverrons. Le jour suivant, il mit le soleil, la lune et les étoiles dans le ciel. Le cinquième jour, il créa les animaux qui vivent dans la mer et ceux qui volent dans les airs. Et le sixième jour, tous les animaux terrestres. Ensuite, il nous créa, nous, pour que nous vivions dans le jardin d'Éden. Jusqu'au jour où Adam et Ève désobéirent à Dieu et mangèrent le fruit défendu. Ce choix leur donna la connaissance du bien et du mal. Depuis ce jour, depuis le jour où Caïn a tué Abel, Dieu a jugé qu'il y avait trop de méchanceté dans le cœur des hommes. Mauvais choix, mauvaise décision. Et voilà où cela nous a menés. Notre Créateur a décidé de nettoyer la terre. Dieu m'a averti. Il m'a demandé de construire un bateau. Une arche pour sauver notre famille et tous les animaux. Toutes les autres créatures vivantes mourront. Et le septième jour, Dieu se reposa. Les eaux du déluge eurent englouti la terre. Ce fut un nouveau commencement pour les descendants de Noé et l'occasion de rétablir la relation entre Dieu et l'humanité. Ceci est toute l'histoire de la Bible. Seigneur ! Ça a commencé. Qu'allons-nous faire ? Changer le monde. Une nation et un peuple trouvent la foi en un Créateur tout-puissant. Vous n'avez qu'un seul Père, et il est au ciel. Vous n'avez qu'un seul Maître, c'est le Christ. Leur histoire nous aide à définir qui nous sommes.
Si vous avez faim de justice, vous serez rassasié à travers moi. Les choix que nous faisons. Tout homme qui croit en moi, jamais ne mourra. Comment nous vivons ? Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Comment nous aimons ? Heureux les humbles, car ils hériteront la terre. Comment nous luttons et nous triomphons. Il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur. Je viens bientôt. Avant que des milliards de personnes croient en Dieu, il a fallu qu'un homme entende sa voix et la foi pour lui obéir. Abraham. Quitte ton pays pour une nouvelle terre que je vous donnerai à toi et à tes descendants. Je te bénirai. Je ferai de toi le père de plusieurs nations, et tes descendants seront aussi nombreux que les étoiles. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Veille sur nous et sur notre famille, Seigneur. Ça va. Dieu est venu à moi et m'a parlé. Viens avec moi. Oh. Lot, mon neveu, viens avec nous. Abraham ? Dieu m'a parlé. Il va nous mener dans un nouveau pays. Mais nous avons un pays. Nous y sommes bien. Une nouvelle terre, loin de la ville. Pour nos enfants. Mais vous n'avez pas d'enfants. Vous ne pouvez pas en avoir. Nous en aurons. Il a promis que mes descendants seraient aussi nombreux que les étoiles. Oui, Dieu m'a parlé. Il m'a promis. Sarah, crois-moi. Il faut me croire. Lot, tu viens avec moi vers cette terre merveilleuse. Dieu sera notre guide. Je ne veux pas. Non. Ah. Ah. Oh, quel bonheur. Guidé par la certitude de devenir le père d'une grande nation, Abraham mène sa petite tribu vers la terre que Dieu lui a promise. Que puis-je faire d'autre ? Tous les autres pâturages sont pris. Tu n'auras pas le mien ! Arrêtez ! Ça suffit ! Ça suffit ! Venez ! Calmez-vous ! Arrêtez ! Arrête ! Cela doit cesser ! Il faut dire à Abraham ce que nous avons décidé ! Que se passe-t-il ? Ces hommes veulent nous prendre notre pâturage ! Dieu nous a donné cette terre pour la partager. Il aurait dû nous en donner plus, alors. Dis-lui ! Abraham, cette terre n'est pas assez grande. Nous sommes trop nombreux. Le Seigneur nous viendra en aide. Aie confiance. Nous ne pouvons pas croire en Dieu. Nos chemins doivent se séparer. Non. Non, nous devons rester ensemble. Rester et mourir de faim ? Nos hommes s'entretuent pour un brin d'herbe et il faudrait rester ! Mon oncle. Nous devons partir. Très bien. Où voulez-vous aller ? Dans les verts pâturages, près de Sodome. Sodome ? C'est un endroit dangereux. Dieu te garde.
comment puis-je guider un peuple ? Alors que je ne peux même pas guider ma famille. Nous n'avions aucune chance. Ils sont trop nombreux. Et l'autre ? Il est en vie. Mais il est prisonnier. Aidez-le ! Oui. Prends ma main. Viens. Doucement. Soignez cet homme. Certains de nos hommes sont entraînés. Abraham, ni eux ni toi n'êtes des soldats. Je leur ai dit de croire en Dieu. J'ai persuadé Lot de venir avec nous. Et ensuite, ils sont partis. Ils ont préféré aller ailleurs. C'est leur choix. C'est notre famille. Nous devons les sauver. Que lui est-il arrivé ? Et que sont devenus... Dieu veillera sur nous. Aie confiance. D'hommes contre toute une armée. Dieu est avec nous. Abraham, nous continuons vers Sodome. Lot, beaucoup d'hommes sont morts pour te sauver. J'en ai aussi perdu. Nous devons rester unis. Non. Non, mon oncle. C'est impossible. L'avenir est ailleurs, il est dans la ville. Accompagne-nous. Nous devons poursuivre notre route. Allons-nous-en.
l'intérieur. Les étoiles. Abraham. Les étoiles, elles sont toutes là. Il y en a tellement. Abraham. Vois combien elles sont nombreuses. Compte-les. Notre Créateur, qui a mis les étoiles dans le ciel, nous donnera le même nombre de descendants pour peupler notre terre. Il l'a promis. Tu auras un enfant. C'est impossible. Tu enfanteras. Je ne peux pas en avoir. Je n'aurai pas d'enfant. C'est trop tard pour moi. Mais pour toi, il y a encore un espoir. Mon fils. Oh, oh. Oui, mon fils. Ton fils. Va avec ta mère. Sois le bienvenu, Seigneur. Je vous en prie, joignez-vous à moi. Apporte de l'eau et de la nourriture pour nos visiteurs. Oui, maître. Vous avez fait un long voyage? Oui. Ce fut long. Abraham, où est ta femme? Dans la tente. Dans un an, Sarah aura un fils.
Pourquoi ris-tu ? Mais non, je n'ai pas ri. Si tu as ri, quand tu auras un fils, tu le nommeras Isaac. Ce qui veut dire celui qui sourit. Merci de ton hospitalité. Nous repartons. Puis-je vous être utile ? Où devez-vous aller ? Décidez du sort de Sodome. Sodome est devenue corrompue, la ville du péché. Mais mon neveu Lot vit là-bas. Il a une famille. Les cris contre Sodome ne cessent de s'élever. Ses péchés sont très graves. Tu vas donc la détruire, la ville tout entière. Un dieu juste. Aurais-tu l'intention de faire périr de ce côté. Les bons avec les méchants ? Je vous en prie ! Aidez-nous ! Aidez-nous ! À l'aide ! Mais s'il y avait 50 hommes bons à Sodome, connaîtraient-ils le même sort que les méchants ? Je vous en supplie, aidez-nous ! Nous les mettrons à l'épreuve. Si mes anges trouvent 50 justes parmi les habitants de Sodome, j'épargnerai toute la ville. Viens nous en aide, je t'en prie. Ils sont là, là, ce côté. Aide-nous, au moins 30 ou 20. Tu ne les ferais pas périr, sûrement pas. Viens nous en aide. Retrouvez-les. Je t'en prie. Venez, je t'en prie. Et s'il y en avait 10, 10 justes qui habitaient Sodome. Ne les sauverais-tu pas ? Lot, mais que fais-tu ? Qui sont ces deux hommes ? Ils ont besoin de notre aide. Je vais faire ce que je peux. Même si je n'en trouve que 10, je sauverai la ville tout entière. Par ici ! Ils sont dans les arbres ! Oui, moi je les ai vus ! Ils se cachent ici ! Chut ! Chut ! Vous avez entendu ? Derrière cette porte ! Ouvrez ! Ouvrez cette porte ! Donnez-nous les étrangers ! Faites-les sortir ! Faites-les sortir ! Ce sont mes hôtes ! Laissez-les en paix ! Occupez-vous de lui ! Donne-nous les étrangers ! Allez, faites-les sortir ! Tu es un traître ! Qu'on les tue ! Écarte-toi. C'est pour Abraham que le Seigneur vous sauve. Continuez, avancez, continuez, continuez. Ne vous arrêtez pas. Attendez. Il est là. C'est lui. Venez frapper le papa. Attrapons-le. Yeah!
êtes en sécurité. Sauvez-vous. La ville va être détruite. Ne vous retournez pas sur la ville du péché. Ne regardez pas derrière vous. L'âme de Lot est transformée en statue de sel pour avoir désobéi à Dieu. Lot et ses filles courent vers la montagne. Ils ne reverront jamais Abraham. Comment va-t-elle? Comment va-t-elle? Dors tout petit, dors tout petit. Ton pain. Sers-toi et mange, Ismaël. Ismaël. Sarah, que se passe-t-il? Cette femme a l'air de penser que son fils va hériter de ce qui revient de droit à Isaac. Que me racontes-tu là? Qui est le premier de notre tribu, Abraham? Quel fils est la première de toutes les étoiles dans le ciel? Le nôtre? Ou le sien? Sarah... Abraham! Abraham! C'est à toi de décider. Maman. Ou alors laisse Dieu décider. Thank you.
Sois brave, mon fils. Oui. Dieu lui ayant assuré que la mère et l'enfant survivraient, Abraham envoie Agar et Ismaël vers l'inconnu. Adieu, Ismaël. Oh, mon garçon. Mon garçon. Quand tu seras un homme, Dieu te bénira et tu auras beaucoup d'enfants. De quoi manger, Isaac. Après des années de lutte, Abraham a appris qu'être l'élu de Dieu est une bénédiction et une épreuve. Il doit prouver sa foi encore et encore. N'ai-je pas déjà donné assez de preuves de ma foi ? Mange. Quand à ton tour, tu auras des enfants, tu voudras qu'ils soient grands et... Abraham ? Que t'arrive-t-il ? Dieu veut un sacrifice. Mon fils, viens avec moi. Pour le feu. Mais où est l'agneau ? Le Seigneur se pourvoira de l'agneau à sacrifier, mon fils. Abraham a-t-il pris un agneau ? Non, maîtresse. Apporte le bois.
Mon père, mais que fais-tu? Tu me fais mal. Isaac, il faut que tu aies confiance en Dieu. Abraham! Un sacrifice. Mon fils. Mon fils. Abraham a réussi l'épreuve ultime. Il deviendra le père du peuple de Dieu. Puis viendra la postérité d'Isaac. Il engendrera un fils nommé Jacob. Dieu le renommera Israël. La promesse d'une descendance aussi nombreuse que les étoiles se réalise. Mais bientôt, la famine contraint les Hébreux à quitter la terre promise pour l'Égypte. Ils deviennent alors les esclaves du Pharaon. Pendant les 4 siècles à venir, Abraham et Dieu ne seront plus qu'un lointain souvenir. Tous les descendants d'Abraham sont devenus des bêtes de somme. Tous. Sauf un. Moïse. Prochainement, dans la Bible. Ne retourne pas te battre. Je ne peux pas refuser. Il est le fils du Pharaon. Viens te battre. Je te l'ordonne. Tu n'es pas l'un des nôtres. De quoi parle-t-il? Tu es né esclave. Ton peuple est là, dehors, Moïse. Les Hébreux. Bienvenue dans ta nouvelle vie, Moïse! Tu n'es plus rien à compter de ce jour! Je suis le Dieu d'Abraham. J'ai vu la détresse de mon peuple. Je t'envoie sur les terres du Pharaon pour conduire les enfants d'Israël hors d'Égypte. Attendez, attendez, je vous en prie. Qui es-tu? Mon nom est Moïse. J'en suis. Dieu m'a envoyé pour vous libérer. Pourquoi es-tu ici, Moïse? Laisse mon peuple s'en aller. Je fais le serment de ramener les Hébreux dans mon pays. Pendant toute ma vie, j'ai appartenu au Pharaon. Je ne serai plus jamais un esclave. Josué, Dieu est à nos côtés. Dieu envoie l'ange de la mort. Sors! Quitte mon pays!
et emmène ton dieu maudit avec toi. Oui. Ah, ils sont là, les Égyptiens.